Aujourd'hui, nous sommes à Toulon. Voilà, bienvenue à Toulon. Nous allons aller au Stade Mayol pour aller voir le match Toulon contre les Scarlets. Ça va pas être un match normal parce que je vais être en tribune VIP. Ça veut dire qu'on va être juste au bord du terrain et on va avoir un cocktail d'avant-match. Pendant le match, on aura quelques petits gâteaux, etc. Et après le match, on aura encore des trucs. Du coup, je vous emmène avec moi. Allez, allez! Ça y est, alors on est arrivé au Stade Mayol du coup. Là, on est juste au pied du Palais Neptune, c'est où on va avoir nos cocktails d'avant et après match. Du coup, regardez, on a les supporters au café du RCT. Voilà, c'est l'ambiance, moi, je pense, c'est pas mal. Je vais vous montrer, il va y avoir les Scarlets qui vont arriver. Du coup, c'est parti. Là, donc, vous voyez l'équipe des Scarlets arriver. C'est une équipe anglaise qui a la réputation d'être très très forte. Du coup, on verra ça pendant le match. Moi, je vais vous laisser un peu en musique. Du coup, c'est parti. On vient de récupérer nos bracelets VIP, comme vous voyez. Du coup, on va pouvoir accéder grâce à ces bracelets au cocktail d'avant-match. Franchement, c'est super le palais Neptune, je vous jure. On vient d'arriver, regardez. Il est super le palais, on peut se servir en tout. Tout est gratuit. C'est magnifique, je vous le dis. Il y a plusieurs salles, là-bas il y a du pain, il y a même des dégustations de rhum et de bière. Alors là, je vais me balader dans le palais Neptune, vous allez voir tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y aura après. Après, par contre, c'est au deuxième étage qu'on devrait monter, puisque là on est qu'au premier et ce sera un espace privatisé. En fait, il n'y aura pas tout ce monde là, il y aura encore moins de monde, du coup, ça va être cool. Il y a même des bonbons, les gens, regardez, il y a même des bonbons. Là, on vient de me dire qu'on va pouvoir accéder aux loges, ça veut dire qu'on va être juste au bord du terrain en fait. Et pendant le match, en fait, tout le long du match, on va avoir des petits gâteaux et des boissons à volonté. Il y aura même du champagne, vous verrez. Du coup, ça va être cool. Allez, je vous emmène avec moi. On est monté par là et maintenant on les gens. Il y a déjà des supporters dans les gradins, je sais pas si vous voyez. Il y en a pas mal, et bon, il y a juste arrivé à moi. Franchement, ça fait au moins une fois dans sa vie, ça. Des loges. Moi, c'est la quatrième fois que je suis dans les loges comme ça. Mais première fois, Stade Mayol. Regardez, Stade Mayol, la police est présente. Regardez ce qu'il y a entré, là-bas. Entrez dans la légende. La loge, en fait, c'est ça, c'est cet endroit où il y a une espèce de vitre en plexiglas et des sièges, on dirait des sièges gamers, franchement c'est magnifique. Et en fait regardez, on est juste au bord du terrain. Malheureusement j'ai pas de vidéo en fait parce que sur le moment je crois que j'ai oublié de record. Du coup on n'aura que cette image et d'autres images que je vous montrerai après. Du coup c'est là qu'on va s'installer. Tout de suite je vous montre la première mi-temps, c'est parti! Ça y est, la première mi-temps a commencé. Du coup, je vais pas parler pendant que je vais faire les vidéos sur le match. Je parlerai que quand il y aura des trucs, voilà. Je vais vous laisser dans l'ambiance avec les supporters, etc. Les commentaires que vous entendez. Du coup, c'est parti. Moi, je vous dis bon match.
Aussi, si le deuxième il s'arrête comme ça, le premier, il fait comme ça, le premier. Allez, 7. Voilà, c'est la mi-temps. Alors, j'ai pas pu tout vous montrer parce que sinon ça ferait une vidéo très très longue. Du coup, je vais un peu vous montrer le principal aussi pour la deuxième mi-temps. Là, vous voyez, on est en train de nous servir en fait un peu ce qu'on nous a servi pendant toute la première mi-temps. De la charcuterie, il y aura du fromage et il y a aussi du champagne. Du coup, je vais vous laisser sur ça et après, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Le match est terminé, voilà, c'était super, un beau match, même si le RCT a joué que au début, voilà. Du coup, c'est là où on a été. Vas-y. On va aller au cocktail d'après match, là, du coup, voilà, tranquillement. Merci. Bien. Du coup, là, on va aller au cocktail d'après match, c'est parti, hein. J'ai plus beaucoup de batterie, du coup je pourrais pas tout vous filmer, mais je vais essayer de vous filmer l'essentiel. Du coup voilà. Ça y est, on se retrouve au deuxième étage du Palais Neptune où nous attend notre cocktail d'après-match. Je vais pas pouvoir vous filmer tout, mais je vais juste vous dire que en fait il y a la même chose que au cocktail d'avant-match. Les joueurs vont pas passer malheureusement parce qu'ils étaient fatigués. Du coup je peux le comprendre. Du coup, voilà, il y a juste quelque chose de chaud en plus, et moi, je vous dis à tout de suite. Voilà, le vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu, à vous abonner, moi ça me ferait super plaisir. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, ciao.